Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mardi 24 août 2021, direction l'hippodrome de Deauville pour le prix des Greniers à Selles, première course de la Réunion 1, où 14 galopeurs âgés de 4 ans et plus en découdront aux alentours de 13h50. Pour cet énième handicap divisé de première épreuve portant le label classe 2, c'est le parcours des 2000 mètres de la piste en gazon normande qui sera emprunté. Lors de cette course à la location totale de 50 000 euros, la bataille sera féroce et beaucoup peuvent espérer le succès. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintée. En première position, nous retenons le numéro 5, Zialandia. Stéphanie Linge l'aime bien et le munit d'œillères australienne pour la première fois de sa carrière. Proche de sa course et monté par Christophe Soumillon, s'il dispose d'un bon parcours, il ne devrait pas taper loin. En deuxième choix, le numéro 3, Bagel. Édouard Montfort est un habile metteur au point qui compte sur le talent de Gérald Mossé pour se sortir du numéro 14 dans les stalles afin de jouer la victoire finale dans ce quintet semblant à sa portée. En troisième choix, retrouvons le numéro 1, Ficelle du Houlet. Dépendant du redoutable entraînement de Yann Barbereau et piloté par un certain Grégory Benoît, cette femelle de 6 ans doit encore une fois terminer dans les 5 premiers. En quatrième position viendra le numéro 7, Turania. Prise en note à plusieurs reprises, cet élève de Nicolas Collery devra simplement bénéficier d'un bon parcours pour espérer monter sur la plus haute marche du podium. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 2, Sagano. Maxime Guyon est toujours performant lorsqu'il affile la casaque des frères Vertemer avec lesquels il a un contrat, et c'est pourquoi il faut retenir cet élève de Christophe Ferland, entrée au rang. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 4, Let It Fight. Stéphane Cirulli est un entraîneur qui voit généralement très bien dans les handicaps, et c'est pourquoi il faut lui accorder également du crédit avec l'aide d'Aurélien Lemaître. En avant-dernier choix, le numéro 6, El Magnifico. Parfaitement connu des quintéistes, s'il dispose d'un bon parcours, il ne devrait pas sortir des 5 premières aujourd'hui. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 11, Astrologia. Cette femelle de 5 ans, présentée par Carlos et Yann Lerner, n'a qu'à répéter toutes ses tentatives depuis le début de l'année pour espérer jouer un très bon rôle à l'arrivée. En cas de non partant, le numéro 8, Doradio, qui participe ici à son premier handicap, pourra compter sur la précieuse aide de Michael Barzalona. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, dimanche, Top Prono et Turf Sélection indiquent des coups de cœur à la gagne ainsi que de nombreux trios lors des différentes réunions premium. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager 7 minutes quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans